n'avait réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. Onze ans déjà que cela passe vite, onze ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Vous avez la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments, c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine à moi pour le peuple allemand. Un soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sous vos pas triomphants. Oh mon amour, ma bélinée, mon orpheline, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. Ici même, sur cette place, on inaugurait la plaque du portail, et c'était quelques mois après l'entrée au Panthéon de Manoukian, Bélinet, son épouse. Et si vous aviez vu son entrée au Panthéon, beaucoup d'émotions quand Feu Chatterton a chanté l'affiche rouge. Le 8 mai, c'est une dame de 92 ans, la fille du capitaine Delors. L'attraction, c'est le capitaine Delors qui la conduisait, l'attraction du Maquis Antoine. Arlette Delors avait 12 ans, elle est sur la photo, et elle a tenu à chanter le 8 mai à Villelongue l'affiche rouge. La semaine dernière, on est allé répéter avec elle parce qu'elle voulait venir chanter aujourd'hui. Quelques problèmes de santé, elle nous a demandé de chanter pour elle.